Qui es-tu? Ah, suis-je bête? Tu dois être Dio Brando. Et je suppose que toi, tu es Jonathan Joestar. Oui, mais tout le monde m'appelle Jojo. Ravi de faire ta connaissance. Danny! Dio, je te présente Danny. C'est mon chien. Ne t'inquiète pas, il aboie beaucoup, mais il ne mord pas. Pourquoi tu l'as frappé? Tu vas voir! C'est donc lui, l'héritier de la famille Joestar. Il a la tête d'un enfant né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je vais m'amuser avec lui et l'user psychologiquement jusqu'à ce qu'il craque. Que se passe-t-il ici? Alors, j'attends vos explications. Navré, le chien de Jojo s'est jeté sur moi et j'ai eu un mauvais réflexe. Sois le bienvenu, Dio. Tu fais maintenant partie de notre famille. Votre attention. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est grâce au père de Dio Brando qui m'a sauvé la vie. Je vous demande de le traiter avec autant d'égard que Jojo. C'est entendu, monsieur. Tu es ici chez toi. Mets-toi à ton aise, comme le ferait Jojo. Lord Joestar, je vous en suis profondément reconnaissant. Tout comme toi, Jojo a perdu sa mère. Et vous avez le même âge. Vous devriez bien vous entendre. Jojo, Dio ne voulait pas faire de mal à Danny. Oui. Moi aussi, j'aurais été surpris si un chien de cette taille s'était jeté sur moi. Oublions cet incident. J'aurais quand même préféré qu'il présente ses excuses. Mais puisque nous allons vivre ensemble, autant essayer de bien nous entendre. Suis-moi, Dio. Je vais te montrer ta chambre.